Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle soirée After Work. On se trouve devant le Papa Chapter. Alors déjà, je descends de la moto. Excusez-moi, j'ai garé ma petite Harley Davidson ici. Donc bienvenue à cette nouvelle soirée After Work du mois de juin. On se retrouve au Papa Chapter pour une nouvelle soirée avec plein d'animations comme d'habitude. Un groupe vraiment d'anthologie. Vous allez voir des petites images très sympas. Et puis à l'intérieur, comme d'habitude, de la convivialité, des échanges, des rencontres. On se retrouve à l'intérieur. Je suis avec Steven. On a une petite coupure là, juste entre deux séries musicales. Steven, tu viens d'où, Steven? Harlem, New York City. New York City, I love this city. It's an excellent city. Yeah. It's a beautiful, beautiful city. Do you know that city? Yeah, I know a bit. I have some family there. Really? Where do they live? Near Manhattan, around Manhattan. Oh, very good. Well, I'm from Uptown, 126th Street and Broadway. Manhattanville Projects. In the house, what up? Ok, Steven, comment se passe la soirée? Oh, ce soir, c'est bien. C'est une soirée un petit peu, comme on dit, improvisationnelle. Voilà. Les jeunes arrivent tranquillement et nous, on joue tranquillement. Après, on fait la fête. Et après, on va envoyer encore plus lourd. Rock and roll, you know? Well, mais I think right now, everybody's outside. We should have set up outside, but it's okay. We'll bring everybody inside later on and we'll have a good time. C'est ça, on va les ramener à l'intérieur et on va les faire bouger, je pense. But now, you do this every month. Yeah. Yeah. It's a beautiful thing. It's a lot of people. It's a beautiful night. There's a lot of people here, man. It's extraordinary. I like what you're doing. I would like to continue to work with you on this. It's a very nice night. Nous allons continuer sans problème, Steven. Je te laisse retourner. Je crois qu'on va redémarrer une nouvelle série là et on va envoyer un petit peu plus lourd encore. Next week, we'll be at the 24 Hours Le Mans inside the circuit. And we'll see what happens, man. You know, my new CD will be out soon. And keep our fingers crossed. Hopefully, everybody will buy it. Because my baby needs new diapers, you know what I mean? Nice. See you later. Merci, à tout à l'heure. Peace, love and happiness. And remember, somebody loves you and it's Steven. Yeah. Heading downtown, bracing 40. Heading downtown, bracing 40. Serving papers in my hand. Serving papers in my hand. Nous arrivons au terme de la soirée, je suis en compagnie du responsable de l'établissement, Jean-Michel. Jean-Michel, comment s'est passée cette soirée? Très très bien. Franchement, alors là, sur le cul.
C'est une belle expression, je l'adore. Alors, tu veux dire par là qu'on a eu beaucoup de monde, c'est ça, et qu'il y a une belle ambiance? Très très bien, très très agréablement surpris. D'abord, il a fait très très beau, donc les gens sont venus, on avait fait une belle terrasse, on avait décoré la terrasse, et puis alors les musiciens qui sont venus à l'extérieur spontanément, rapidement et sans faire de réglage particulier et qui nous ont fait le buzz pendant une heure, moi je dis bravo. Ah, est-ce que là il y a eu une notion d'adaptation au niveau des musiciens qui sont venus se greffer à l'ambiance qu'il y avait déjà en extérieur? C'est vrai que ça a vraiment rendu. On a encore du monde, tout le monde n'est pas parti encore, mais globalement quel est le bilan de cette soirée? Je pense un bilan très très positif. Ça veut dire que les gens sont venus quand même, il faut sortir du banc, il faut venir dans une zone d'activité industrielle pour découvrir cet endroit qui est magique, toi tu le connais bien, mais beaucoup de gens ne le connaissaient pas, donc j'espère que ça leur a plu et qu'ils reviendront bien entendu. Moi j'ai eu d'excellents échos et c'est vrai qu'un lieu qui est déjà en effet très très sympa mais que les gens ne connaissent pas forcément, tout le monde ne le connaît pas, et je crois que l'Afterwork c'était un bon moyen justement de le mettre en avant à ce niveau-là. Je pense que le pari est gagné et je te remercie vraiment de m'avoir fait confiance sur ce projet. Non mais moi je te remercie aussi de m'avoir fait confiance. Bon, c'est un endroit qui est effectivement très, très atypique et très sympa, mais encore une fois il faut faire déplacer les gens et ça c'est un challenge qui n'était pas gagné d'avance. Donc voilà, bravo, bravo à toi et merci encore. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Come on, come on, hey, hey, hey. I wanna jump, jump and shine.